Salut tout le monde, c'est Yano Pippo et on se retrouve pour ce septième épisode sur Doki Doki Literature Club Plus. Donc petit rappel, on est bloqué dans une sorte de dimension bizarre avec Monica. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle me dit? Qui ça? Mais de qui elle parle? Ah ouais, carrément. Ouais, bon, Monica, on va faire ce que les gens m'ont conseillé, c'est-à-dire supprimer Monica. ça peut paraître ouf, mais il y a des gens qui m'ont dit, il faut supprimer Monica. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au bureau et apparemment on peut supprimer Monica. Juste regarder, c'est quoi ça? Bon, moi j'ai débloqué des trucs, c'est cool. Happy end. C'est-à-dire que c'est la bonne fin? Je sais pas. Ok. Rien qu'à Monica. Ok. Il y a rien d'autre, non? Ah ok. Attends, par qui? David. Ok. Bon, l'image c'est bon, ouais. Fichier. Parce qu'on est d'accord que du coup je peux pas recommencer une partie tant que, à mon avis, ouais. Ah, c'est quoi ça reset? Non, on peut pas. Et si je supprime du coup, bon, on va voir ça. Voilà. Par contre, j'ai supprimé tout le monde du coup. Est-ce que ça va faire une partie du coup sans Monica? Wow. Ah ouais, mais on a supprimé l'univers. C'est pas trop ce que je voulais faire à la base. Wow. C'est toi qui m'as fait ça? Ben. Wesh! Attends, mais on l'a vraiment supprimée parce qu'elle continue à parler. Mais si je te supprime, tu n'existes plus, non? Ok. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi ignoble. Ah ouais, carrément. J'aime bien, ça a beau être un personnage fictif, ça te touche quand même quoi. Bon, moi je mange du raisin en attendant. Bah, j'ai détruit parce que sinon on peut plus jouer en fait, hein.
Ouais. Ah. Ah ouais? Elle fait quoi alors? C'est quoi? Ah, elle va recréer un monde où elle n'existe pas. Mon pari, c'est ça. Ah putain, ouais! Ok. Ouais, vas-y. Je vais juste voir qu'est-ce que ça a donné. Mais si, imaginons, je voulais faire revenir Monica, je peux faire comment? Parce que mine de rien, son perso est grave intéressant. Note de réunion. Ok. C'est quand même bizarre comme jeu, hein. Engrenage, bateau, vaisseau spatial. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as que j'aurais vraiment fini de tester tout ce que j'ai envie de tester. Je suis sûr d'y avoir des vidéos de fou sur ce jeu en vrai. Avec des théories ou... Moi j'aimerais surtout en savoir plus sur le lore. Bref. La partie sans Monica. Bah logiquement, cette fois ça va bien se passer alors. Est-ce que les deux autres, elles vont être... Parce que, du coup, nous, notre but, c'est vrai qu'on va retrouver Sayuri. Ça, c'est bien. Je me demande, est-ce que notre perso, il s'en souvient de tout ça? Bref, on va voir ça. Oula. Ah. Ah putain, elle arrive à l'heure. Elle est guérie de sa dépression. Et alors cette fois, on peut la choper elle, enfin la pécho elle, et les deux autres, on s'en fout. C'est ça du coup. Logiquement, les deux autres, elles sont pas en mode... Voilà. Ah ouais, donc on est vraiment dans le bon univers quoi. Ah! Donc le côté horreur et tout, c'est fini quoi. Donc il va rejoindre le club quoi. Ah, on y va nous-mêmes. Ah ouais. Oh là là, elle, je suis encore traumatisée. Oh putain. Mais qui est la présidente alors? C'est Sayuri? Ah ouais, direct, sans aucune hésitation.
Incroyable. Mais trop bien cet univers. Je vois pas trop comment ça pourrait mal se passer. Ah, c'est cool. Je me demande si je décide de supprimer une autre membre du club, il se passera quoi? Au pire, on retentera. Une partie où il n'y a que Sayuri. Ouais, mais après, le club, il n'existe pas, logiquement. Tu. Ah, les cupcakes. Mais attends, à la base, j'étais pas censé les faire parce que j'étais venu. Et dans cet univers, est-ce que Natsuki et Yuri sont toujours en train de se chercher ou pas? Trop de questions. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle veut voir si j'aime. Ouais, y a des trucs qu'on connaît déjà. Non! Attends, elles vont de nouveau être à fond sur mon perso, c'est pas possible. Non, mais il est BG à ce point-là. Quand même assez cliché, hein, mais bon. Dis-le, est-ce que tu aimes lire? Ouais, elle l'a pas dit. Je pensais que dans cet univers, elle allait peut-être dire, ah ouais, moi aussi. Tu. Par contre, à l'époque, c'était. Enfin, à l'époque. Dans la précédente partie, c'était Monica qui nous disait, tiens, on pourrait faire une lecture de poème. Mais du coup, est-ce que c'est encore le cas ici ou pas? Parce que ça m'étonnerait que. Que Yuri a proposé ça déjà. Sayori, je sais pas trop. Ouais, Natsuki, non. À mon avis, ce sera peut-être Sayori qui va proposer. Hein? Ah ouais, elle le dit? Ah non. Quoique. Ah ouais! Waouh. Non, elle va dire. C'est elle qui va proposer là? Ah, j'étais sûr que c'était la présidente. Ah ouais. Incroyable. Tu vois que le scénario est quand même différent. Comme quoi, c'est vraiment Monica qui foutait un peu la merde. Tu. Ah, c'est bien, donc les deux vont devenir amis, machin et tout, et. Ok, tranquille. C'est bien. Oula, la tête qu'elle fait, non!
Hein? Quoi? Bah, quoi? Attends, quoi? Je voulais te remercier de nous avoir débarrassé de Monica. Hein? J'ai cru que j'avais mal lu. Attends, mais il y a une malédiction sur la présidente ou quoi? C'est quoi ce délire? Oh non. Oh non. Attends quoi? T'es obligé de cliquer sur OK là? Attends, Monica est toujours là? Attends quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Attends, mais depuis quand il y a des vidéos, il y a du son comme ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Audio activé. Attends, c'est le générique. Ah, stylé, ok. Ok. Toi, on a fini le jeu. Attends, je comprends rien. Qu'est-ce que. Attends, quoi? Écrit et réalisé par Dan Salvato. Y a des trucs qui sont supprimés. Image not found. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, on l'a jamais vu. Ah, c'est comme si tout qui était en train d'être supprimé. C'est quoi ça? Ah, ça vient de là cette image! Oh purée, je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux. Mais ce jeu, en fait tu comprends jamais.
remerciements supplémentaires, Monica et Yannou Pipo. Pas mal. Fait avec amour par Team Salvato. Ok. Oh purée. Ceci est mon adieu au club de littérature. Attends, j'ai le... Voilà. J'ai enfin compris que ce club est un endroit où tout bonheur est impossible jusqu'au bout. Il aura exposé des âmes innocentes à une terrible réalité que notre monde n'est pas fait pour englober. Et je ne peux pas me résoudre à laisser mes amis réaliser l'ampleur de cette réalité cauchemardesque. Je tiens à te remercier d'avoir passé ces moments avec moi, de m'avoir permis de réaliser tous mes rêves et d'avoir été un véritable ami pour tous les membres. Et surtout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec tout mon amour, Monica. Le fichier reset? Parce qu'attends, si je fais ça, là, il se passe quoi? Ah, ok. C'est vraiment bizarre, ce jeu. Hein. Alors, c'est ça, le fichier reset? Attends, mais on a... Elles sont là. Attends. Je vais juste voir un truc, parce que... Ok. Par contre, si je fais reset, ça va faire revenir Monica. On est d'accord. Je recale juste un petit peu. Ouais, mais ça, j'ai jamais compris vraiment. Ouais. Bon. En fait, quand tu joues à ce jeu sur PC, ça doit être un truc de fou. Parce que tu dois vraiment avoir l'impression d'être dans un univers... Je sais pas, l'ambiance doit être complètement différente. What? Ah ouais, vas-y, c'est vrai qu'on l'avait pas fait à l'époque. Ok. Tu du 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 tu 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 tu. Ah bah oui, le retour de Monica. Attends, parce que... Et si là on fait ça... je tente un truc. Personnage. Attends, parce que... Ah ouais, donc maintenant j'ai débloqué la possibilité de recommencer à zéro. Ça, c'est bien. Parce que si, imaginons, je supprime de nouveau Monica. Voilà. Il se passe quoi? Eh ouais, je me pose la question, là. What? Qu'est-ce qu'elle fout là? Attends, quoi? Ah, mais elle est quand même affichée... Un peu bizarre. J'avais pas trop compris qu'est-ce qu'elle fout là, mais ok.
Romer. Yano. Voilà. Quoi? Attends, quoi? Comment ça? Attends, mais... Qu'est-ce qui vient de se passer? Oula. Fin? What? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, vu qu'elle a conscience, elle aussi, que c'est un... Hein? Ok, bon. On retente différemment. Ok, ouais, c'est bon. Non. Tu. Il est vraiment. C'est un des jeux les plus bizarres auxquels j'ai pu jouer, hein, je peux pas vous mentir. Et. Bah, et si je retente une partie, il se passe quoi? Je pose vraiment la question, qu'est-ce qui va se passer là? Attends. Ouais, mais là, du coup, ça va recommencer, comment dire? Une partie normale, on est d'accord. Attends. Attends, on va retenter quelque chose. Parce qu'attends, là... on a assisté à trois fins, en fait, là, jusqu'ici. Parce qu'il y a la fin où tu te retrouves seul à seul avec Monica. Il y a la fin où, du coup, tu penses que Monica est pas là. Et en fait, elle te fait comprendre qu'elle est toujours là. Et elle met fin à tout. Et là, du coup, il y avait cette fin bizarre... Où j'ai resupprimé Monica, mais Sayuri qui se suicide et on peut pas aller plus loin. C'est trop bizarre. Mais attends, je suis en train de me poser une question. Je peux que supprimer Monica. J'ai perdu la possibilité de le faire. Attends, mais... Je veux dire, j'ai pas perdu mes images au moins. Ah non, ça je les ai... Ok, ça c'est bon. C'est quoi ça? En fonction de ce que tu fais. Ok. C'est vraiment très bizarre comme jeu. Ok.
C'est quoi ça? Je comprends pas tout, hein, franchement. Le problème c'est qu'il y a Monica quoi, ça m'emmerde. Ok, on est vraiment reparti à 0-0-0. Alors cette fois, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et si on essaye une partie où on est que du côté de Sayuri? Peut-être que ça peut changer les choses, quoi. Ah bon, ça on connaît, hein, c'est... Voilà. Ok, pour le moment, normalement, il n'y a rien de nouveau. Ce qui me fait peur, c'est quand on va retrouver la Monica. Est-ce qu'elle se souvient en fait de tout ça, elle? Donc là, il y a Sayuri qui va venir, voilà. Ah ouais. Et on sait qui est la présidente. Bien évidemment qu'on le sait. J'ai juste sauvegardé. Ah, c'est vraiment comme à l'ancienne. Waouh. Attends, quoi? Ouais, donc on a sauvegardé et... Ah non, je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il y avait des trucs supplémentaires. Attends, mais c'est quoi historique? Ah, ok. Ouais, m'en rappelle. Parce que du coup, la Natsuki exprès fait des cupcakes, machin et tout, nanana. D'habitude, je devais pas dans ce couloir. Ah bon? Oh putain, attends, qu'il y a Monica qui va venir. Ah oui, elle est censée déjà me connaître. Ok. Ouais, même très bien. Ouais. On va faire une partie où on n'est que à fond sur Sayuri. Quoique, et si on faisait une partie où on était que à fond sur Monica, est-ce que ça change tout? Je sais pas. Ah, je sais pas ce que je fais tout de suite en fait. Et si on tentait l'inverse de ce qu'on voulait faire?
Au lieu d'être du côté de Sayori, on se met du côté de Monika. Je sais pas. Ou alors je tente une partie que Sayori. Ouais. Le problème, c'est que Sayori, c'est la plus dure à satisfaire niveau poème. Hein. Faut que je regarde sur internet comment être sûr que les poèmes soient destinés à Sayori. Ok, donc ça, c'est à chaque fois. T'as des trucs qui reviennent. Hein? Ah, de temps en temps, il a des souvenirs. Il a des sensations de déjà vu, hein. Et la Monika, sans déconner, elle me fout des ans, une angoisse. Ouais. On connaît, on connaît. Ah bah oui, c'est le moment où je lis les mangas. Ouais. Bon, jusqu'ici, on connaît. L'idée venait de moi à la base. C'est à cause de mon perso que qu'on en est venu à faire des concours de poèmes là. Donc c'est vraiment mon perso qui a foutu la merde à la base. Waouh. Eh ouais. Bah oui, que à la base il a jamais dit qu'il voulait rejoindre le club.
C'est vrai que dès le départ, mon perso, il est con. Hein. Ouais. C'est The Charo. Il n'y a pas que la Monica qui est antagoniste, j'ai envie de dire. Voilà. Enfin, c'est mon antagoniste, mais quelque part, mon perso, il a... Comment dire? C'est mon perso qui a foutu la merde dès le départ. Ah ouais, bon, on va s'arrêter là, hein. On connaît. Bref, on va sauvegarder. Ouais, on retourne là. Ok, bon écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Également, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, donnez-moi des conseils. Qu'est-ce que je pourrais tenter? Sans forcément me dire ce que ça va donner, mais... Qu'est-ce que je peux tenter de faire? Parce que... Là, je vais essayer de tenter une partie où mon perso, il est que du côté de Sayori. Je vais regarder sur Internet comment faire pour avoir que des poèmes qui lui sont dédiés. Et... Je sais pas. Est-ce que c'est possible de faire une partie où on est que du côté de Monica? Je crois pas, hein. Parce que quelque part, tu peux même pas... Ah si, il y a le fameux dimanche de préparation pour le festival. On pourra toujours refaire une partie où du coup on insiste pour aller chez Monica et découvrir comment ça se passe chez elle. Pourquoi pas? Une autre partie où on est que du côté de Natsuki. Une partie où on est que du côté de Yuri. Pourquoi pas? Bref. Sur ce, encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et bonne continuation. C'était Yano Pippo.